Yo les gens, c'est Isoka et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Naruto Blazing. Aujourd'hui on va faire une analyse du nouveau 7 étoiles qui est apparu sur la version Jap pour le moment. Nous on l'aura mardi prochain, donc voilà, faut prendre son mal en patience. On va voir si ça vaut le coup d'aller utiliser ces items d'éveil 7 étoiles pour ce personnage qui est orienté surtout d'un côté et pas de l'autre. On se retrouve tout de suite pour l'analyse. Donc voici déjà sa fiche de stats. Déjà, on peut voir tout de suite, ces stats sont incroyables. 57 394, je l'ai déjà dit dans plusieurs analyses. Quand on passe les 40 000, on est déjà sur du très très bon. On va dire 40 000, c'est un peu la base. On est largement dessus. On est très 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 largement dessus. Stats d'attaque, laissez tomber, 6516. Enfin, c'est hors du commun, genre je veux dire déjà que je trouvais rien qu'avec son limit break avant qu'il ait une 7 étoiles, je trouvais qu'il tapait quand même assez bien quand même. Je crois qu'il faisait à peu près du 27-28 000 en avantage. Mais là, on a dépassé totalement... Là, on est sur du n'importe quoi. Et surtout sa speed, 413. 413 les amis. Avec des stats pareilles, je crois que c'est le plus beau set de stats que j'ai vu de ma vie. Genre je veux dire... Il a beaucoup de vie, beaucoup d'attaque et beaucoup de speed. Genre je veux dire, d'habitude, on sait toujours que les grosses stats, ça veut dire lent. Ben là, non, pas du tout. C'est abusé. Vraiment, ces stats sont incroyables. Bon, ces habilités, elles n'ont pas changé à part une. Ils en ont ajouté une, forcément, quand NC étoile et gagne une habilité. Je vais un peu les rappeler pour ceux peut-être qui ne connaissent pas l'unité. Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont commencé avec le Naruto 7 étoiles. Alors, cette unité est très vieille. Elle date du premier nouvel an, normalement, si je me trompe pas. Premier nouvel an. Donc, non, ce n'est pas une nouvelle unité. Hein. Beaucoup d'entre nous l'ont. Mais voilà, pour ceux qui se demandent, non, elle n'est pas nouvelle. C'est surtout la 7 étoiles qui est nouvelle. Donc ses premières habilités, elle ignore la substitution, sa deuxième lui donne réduction de dégâts de 10%, c'est là où on voit que c'est vieux, hein, ça date du premier nouvel an, et réduction de 10% à l'époque c'était déjà très très bien, bon bah là maintenant de nos jours on a du 30-40%, ça fait un peu tâche mais c'est très bon à prendre qu'on voit 57 000 de vie. Il a un reset de 30%, ça je sais plus si c'était déjà comme ça, mais ça me paraît beaucoup, alors est-ce que ça a été changé? Je pense pas. Ensuite sa speed, il gagne de la speed, il gagne 30, donc du coup avec cette quatrième habilité, donc les 413, ça sera pas forcément pour tout le monde, hein. On sera sur du un peu moins, on sera sur du 393 du coup, donc 383 pardon, si je me trompe pas, 383, ouais c'est ça, 383, ça va, on va dire ça va, ça reste quand même très très bon sans avoir forcément les 413, 383 pour des stats pareilles, on va dire que c'est totalement compensé. Ça aussi c'était un peu déjà quand à sa sortie au premier nouvel an, il y avait déjà un peu des questions sur pourquoi mettre un reset de 40% d'ultimate. Il me semble pas que c'était 40%, ça me paraît vraiment beaucoup 40% pour du nouvel an, mais voilà, un reset d'ultimate sur un perso PVP, on était déjà en train de se poser pourquoi, mais voilà, à l'époque il faisait un peu n'importe quoi des fois avec les habilités sans trop de logique. Et voilà, la nouvelle habilité qui lui ajoute, bah c'est l'une des meilleures en PVP, ce qu'on cherche. Il nullifie l'immobilisation, il est immunisé à l'immobilisation. Voilà. C'est-à-dire, s'il en fallait une, c'était soit ça, soit immuniser Jutsu Seal. Et il en a eu immunisé à l'immobilisation. Je veux dire, c'était parfait en fait. Genre, je veux dire, ils ont trouvé l'habilité qu'il fallait pour le rendre vraiment super fort. Bah voilà, ils ont bien fait. Ensuite, on va passer à ces Field et Buddy Skills qui sont. Enfin, franchement, là, ils ont clairement pété un câble. Je pensais pas qu'ils allaient toucher, vraiment. Je pensais qu'ils allaient juste toucher les stats et donner une habilité. Non, non, ils ont touché le fil des BD skills. Alors, ce qui était bien avec ce personnage, c'est qu'il donnait de la réduction de dégâts sur le terrain. Je crois que c'était 20% sur le terrain et 20% en buddy. Donc, voilà, donc 20% de réduction de dégâts. C'était souvent pour ça qu'on jouait en buddy, parce que voilà, 20% de dégâts, et il était vraiment assez jouable. Contrairement à d'autres 20% de damage réduction, ils étaient pas dingues. Là, ils ont boosté ça, donc je veux dire, sur le field skill, sur le terrain, il réduit les dégâts de 25, 35% selon la proximité. 35% putain de merde. Genre, pourquoi? Genre c'est officiel, moi ça m'arrange, hein. Moi je suis totalement content, parce que c'est sûr que je vais le mettre cette étoile. Kakashi là clairement il passe derrière, hein. Je suis désolé, moi qui joueur PVP, c'est tout de suite pour lui, hein. Et le buddy skill, c'est pour ça qu'on kiffait le jeu, c'est Madara.
20% c'était bien, mais là 35% body skill. Je veux dire, le mec qui est devant, mais il est tranquille. L'unité qui est sur le terrain avec lui derrière, il est tranquille, mais vraiment. Je veux dire, coupler ça avec des personnages qui ont déjà de la damage réduction, comme le Hashirama qui a 40%, vous mettez ça, il y a 75% de réduction de dégâts. Mais vous voulez le tuer comment? Si vous n'avez pas de l'ignore damage réduction, vous allez le tuer comment? À part un ultimate, je me demande, franchement, c'est abusé, c'est vraiment abusé. On va passer sur une autre fiche, parce que Nordak nous l'a pas montré celle-là, mais c'est tout comme, hein, ça change pas grand-chose. Pour le Jutsu et Secret Technique et le Latent Skill. Donc le Jutsu, lui, n'a pas changé. C'est vrai que c'est un peu bizarre, ça a gêné pas mal de gens, qui est que le LS qui a ajouté. C'est vrai qu'en PvP, bah, on va rarement faire un ultimate à 8. C'est presque jamais le cas, donc c'est un peu dommage de profiter que sur ça. Donc son jutsu, lui, n'a pas changé, pour ceux qui savent pas. C'est sur tous les ennemis, la range est assez bonne. Et en fait, une fois qu'il fait le jutsu, il est immunisé au jutsu et ultimate. Donc ça, c'est très très bon. Le petit problème de ce jutsu à l'époque, avant cette 7 étoiles, c'est qu'en fait, il le faisait pendant 4 tours, mais il était plutôt lent. Donc en fait, l'effet, il avait même pas encore arrivé à la barre pour que ce soit à son tour et pouvoir re-switcher sur le perso de derrière, qu'il avait déjà perdu son effet d'invincibilité, entre guillemets, hein, je dis bien entre guillemets, mais je veux dire d'immuniser aux dégâts, qui n'était toujours pas arrivé. Donc en fait, il se faisait toujours péter la gueule avant de pouvoir rejouer. Bah là, avec ce complément de speed, ça change beaucoup de choses, vraiment ça change beaucoup de choses. Donc c'est un très très bon jutsu. Après, les unités body en ce moment, on va dire que bon, on en voit quand même pas mal en vrai. Si, vu que les règles favorisent les hurts, on voit quand même pas mal de body pour contrer ça. Donc pourquoi pas un petit Madara pour contrer aussi les body qui essayent de malmener nos personnages hurt. Pourquoi pas son ultimate? Bon bah, c'est 12 fois son attaque sur tous les ennemis, 90% de chance de sceller le chakra, bon, ça on s'en fout totalement. Et c'est là le Latin Skill, qui au passage, je vous invite à aller voir sur Twitter, sur le Twitter de Nordax. Le Latin Skill, pour moi, c'est la plus belle spé du jeu. Genre, je veux dire, l'angle à la fin et l'explosion, c'est ce que je demande depuis longtemps, qu'il y ait d'autres perspectives que juste le terrain avec le personnage. C'est magnifique, vraiment, je kiffe ce qu'ils ont fait sur le LS, c'est parfait. J'espère vraiment qu'on en aura d'autres comme ça, en sachant qu'avec les 4 ans, ils font toujours des efforts sur les SP. Ça annonce que du bon. Donc son Latent Skill, on a 14 fois sur seulement les body, par contre 14 fois sur les body, et 10 fois sur tous les autres types, donc voilà, donc vraiment pour éliminer les body. Et ensuite, il a 80% de chance de réduire la speed et faire reculer les ennemis sur la barre de speed, donc ça c'est un très très bon effet, mais encore une fois, mettre un ultimate à 8 de chakra, c'est très très rare. Je veux dire, même les faire reculer, vous aurez sûrement déjà gagné la game en le faisant. Donc faire reculer, on s'en fout totalement. C'est là où c'est un peu dommage, c'est que la chose a changé. S'il y avait quelque chose à faire, c'était sur le ninjutsu. Mais voilà, on sait très bien que les 7 étoiles, ça ajoute que un LS. Ça change pas les ninjutsu. Donc ça change pas grand chose sur son effet, même si voilà, en fonction de ses stats, ça change quand même, je trouve, la physionomie de son jutsu, qui le rend beaucoup plus utile grâce à sa rapidité. Et ouais, je pense que c'est une magnifique unité. Après, est-ce qu'il va falloir invoquer? Je crois que c'est en peu de steps. Je crois que c'est en 3 ou 4 steps que vous allez avoir la bannière. Est-ce qu'il faut invoquer? Clairement, tous ceux qui sont pas pour le PvP, qui carent pas du tout à propos du PvP, ne le faites pas. Parce que c'est que la version PvP qui a une 7 étoiles. La version PvE n'a pas de 7 étoiles. C'est seulement sa version éveillé Blazing Bash, donc pour le PVP. Donc tous ceux qui ne font pas de PVP, c'est à oublier, hein, totalement. Tous ceux qui veulent vraiment obtenir des bons personnages PVP, je conseille, mais d'y aller tranquillement. Faites juste un full step, je crois, comme j'ai dit, c'est 3-4 steps, vous pouvez y aller pour l'avoir garanti. N'allez pas au-dessus, ça ne sert à rien. Les 4 ans arrivent, faut commencer à réfléchir, vraiment invoquer intelligemment. Et pas juste se ruer sur les personnages qui vous donnent envie ou quoi. Même si voilà, faut se faire plaisir, vous avez tout le droit, c'est à votre honneur, vous invoquez sur ce que vous voulez. Moi, je suis juste là pour vous conseiller. Regardez le nombre de perles que vous avez, il vous sera utile. Regardez si vous avez de quoi limit break, parce que faut le limit break, faut pouvoir mettre cette étoile, sinon c'est une bouse. S'il n'est pas limit break, c'est une grosse merde. Vraiment, il est nul. Déjà avec limit break, il est pas mal, sans plus, vraiment sans plus, il est... Si vous n'avez pas de quoi lever cette étoile, oubliez. Vraiment, oubliez tout de suite. Si vous avez déjà mis Naruto et Kakashi, malheureusement, passez et retentez sur un autre portail plus tard, parce que ce sera pas...
ce sera pas là où vous allez profiter de son plein potentiel malheureusement. En tout cas voilà, c'était tout pour cette vidéo sur l'analyse de Madara, cette étoile. Moi personnellement, je suis très content au-delà du fait que je l'ai, donc je vais pouvoir l'éveiller. Je suis très content que ce personnage ait eu le droit à son cette étoile. Tout simplement parce qu'en fait il avait un potentiel un peu caché, je veux dire, il avait le potentiel pour, mais il lui manquait ce petit truc que qui le fasse viable, et voilà, il est viable maintenant totalement, mais voilà, malheureusement il était toujours à un chouïa d'être joué, d'être vraiment bien joué, et là ils lui ont donné cette occasion. C'est pour ça que je dis que c'est un excellent choix pour ce Madara skill, que vraiment j'apprécie beaucoup et que je jouerai, voilà, je suis très impatient de pouvoir le jouer. En tout cas voilà, vous savez, comme d'habitude, petit pouce bleu, ça me fait énormément plaisir, c'est la récompense. À vous abonner si c'est pas déjà fait. Je vous souhaite une très bonne journée, c'était Isoka, ciao tout le monde.